Bah, malheureusement, je vois qu'il n'y a pas grand-chose au niveau collègues. Et j'en suis bien désolé parce que les collègues ont l'habitude de se plaindre. On n'est jamais content, on parle du manque de matériel, du manque de considération de notre hiérarchie. Et on voit actuellement qu'il n'y a pas de collègues. Simplement respecter ces personnes-là, on n'a pas envie que nos maris, quand ils rentrent à la maison, on n'a pas envie de les voir caillasser, se faire taper dessus, en train de suivre à l'hôpital, c'est pas possible, c'est pas possible. Comment vous vivez au quotidien, quand vous vous réveillez le matin, quand vous attendez votre mari le soir? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Est-ce qu'il y a des pics d'angoisse à certains moments? Le matin, quand il part, on a la boule au ventre. Réellement, on a la boule au ventre. On se demande s'il veut rentrer le soir. On a toujours la crainte de l'appel du collègue qui arrive chez nous et qui nous dit « Ton mari est à l'hôpital. Ton mari ne s'en est pas sorti. » Juste parce qu'il est intervenu pour sauver un citoyen, pour essayer de dispatcher des personnes qui malheureusement font le bordel. On en est là. Alors, vous pouvez nous montrer votre brassard et nous dire ce que ça représente? En fait, on est en train d'appeler à l'aide, en fait, totalement, pour nos forces, que ce soit la gendarmerie, la police, les services pénitentiaires, qui en ce moment aussi, et les pompiers aussi. Voilà. Cette aide, vous sentez qu'elle arrive côté du gouvernement? Je dis pas que je la sens pas qu'elle arrive. Je pense que ça va arriver tout doucement, mais il faut se faire entendre plus fort. C'est sûr qu'il faut se faire entendre plus fort parce que y a des choses qui sont inacceptables encore. Il y a des choses qui arrivent tellement doucement. Est-ce que c'est juste pas pour nous montrer au départ tout va bien et après on oublie? Mais sachez que nous on n'oubliera pas. Voilà. Respect à tous les policiers, respect à tous nos forces de l'ordre.